Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, le mec. Who are you? A foreigner. Your skill against Oni is impressive. As is your skill with English. My name is Hanzo Hattori. And you are? Call me William. I'm here in pursuit of someone. An enemy, perhaps? Hunting a person down in a strange land will not be easy. Merci, Braius. If you lend me your strength in fighting Oni, I will help you in return. Well then. Dawn is breaking. Come. Oui, il a une montre chat. Il se sert de la dilatation d'une pupille d'un chat pour savoir quelle heure il est, en fait. Le chat goussé, quoi. J'avoue, c'est tellement stylé. Le chat de poche pour regarder l'heure. C'est classe. Hein. Bon, ça c'est fait. Là, qu'est-ce qu'il manque? Il manque un Uyama. Là, il manque deux Uyama. Putain, mais on a fait n'importe quoi avec ces missions. Ok, Abraham Lincoln se prépare. Forgeron. Irashai. Ouh, un Kabuto Onryoki. Oh là là, trop pur stylé. Et il est blanc. Quel dommage. On peut recommencer. Cool. Avec le chapeau et tout, hein, j'avoue. Du coup, redessiner, armure. Voyons voir. Salon de thé caché. Je sens mon chat poindre. Ah, j'ai envie de prendre la pose Kabuki, toi. La pose Kabuki, elle est tellement présente. Réserve, c'est ce qu'il y a dedans. Moi, j'ai ça dans la réserve. Waouh, j'ai trop de trucs dans la réserve, en fait. Eh.
Waouh, j'ai tout ça dans la réserve. Ça sert à rien. J'ai toutes les épées bâtardes du monde. Les épées bâtardes du monde, pardon. Bon. Et des munitions, très bien ça. Bon. Allons-y. Ça c'est fait. Au plus profond des ténèbres. Je la connais cette mission quasiment par cœur. Et il me manque un Uyama. Et ça c'est inacceptable. Un Uyama inacceptable. Merci Nixbeko, il est gros ton perso, mais oui. Regarde ça. Oh, il est stylé comme ça. Even cats speak in these lands. Il a payé pour tous les autres. Donc personne n'a vu le Uyama, hein. On est d'accord qu'il est nowhere to be found, ce Uyama. Je cherche, hein, mais...
cherche le Uyama. Oh les skis. Rien du tout, un élixir. Un mec il est mort là. Oh là 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 là. Les vrais dégâts. Oh 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 non oh non. Oui, on l'a maîtrisé à fond, allons-y. Jackie Maru avec son attaque de poisson. Et après, on peut remonter sur les autres armes que j'ai présélectionnées déjà. Omokage, Jackie Maru. Quoique, Jackie Maru, on peut utiliser une espèce de pierre de la fameuse pierre d'affûtage. On va en utiliser deux. Voilà. Super. J'espère que ça compte comme de la maîtrise. Les tonfa d'arts martiaux. Bonus de dégâts pour moins d'armure. Allez, les tonfa du King Fu, on s'équipe. Somokage, on n'en est pas encore là, donc allons-y. J'ai un contre maintenant. J'ai un contre. Ce contre me coûte de l'endude, par contre. Très bien. Il va falloir que j'apprenne à m'en servir de ce contre. Oh là là! Ça a pas touché le premier coup. Essaye. Oh, c'est trop fort! Ce contre du King Fu! Qu'est-ce qu'il y a? Le mur qui s'incline. Et j'ai pas retrouvé l'Oyama, moi, par contre. Dans la seconde salle du niveau à droite, il y a une petite salle et encore à droite. La seconde salle à droite, il y a une petite salle et encore à droite. Petite salle à droite, il y a une seconde salle et encore à droite. Ah! King Fu! Ce n'est donc pas là que se trouve le Yama, mais il y a effectivement une salle. Je te remercie. Il est là, l'Oyama. Non, il est derrière, là. Non, il est où, l'Oyama? Thank you.
Il est où l'Oyama du mal? Oh là là, avec le Yuki, ok, avance. Ah oui, ah ouais, ouais, ouais. Ah, j'ai chu. Oui, il est là. Ah, je l'ai. Super. Victoire. Oh, il m'a touché, l'enfoiré. La 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 la. C'est un peu où, hein? Ai-je le tente ou pas? Non, hein, c'est baisé. Hein. Attends. C'est un peu où, hein? Oh! C'était trop. C'était trop. C'est pas grave. On burst. Une genre. C'est le King Fu. Le King Fu. Pas d'élèves, que des maîtres. Itazo! Venez vous battre face à un vrai maître! Le King Fu! Nani! Oh, le King Fu! Rejette. Merci. Là, j'ai payé.
Ah, j'ai payé très cher. Ah, Bliad ! Cette flèche dans mon dos de la traîtrise. Je n'ai pas pu boire ma potion. L'archer squelette qui attendait son moment. Il attendait son heure. Bon, c'est pas très grave. De toute façon, j'avais dépensé mon aura et j'avais genre 4000 BP plus ces 3000. C'est pas beaucoup. Où est le squelette de la traîtrise? Le squelette du Judas Guillette. Mais ce squelette MVP quoi. Out fucking match. C'est bon. Bon. Sinon, on arrête de rire un peu 5 secondes. Et on prend une leçon de King Fu. Voilà, pas déconner. De toute façon, j'étais venu pour Luyama. J'ai Luyama. Donc on rush. Oh là là là. La musique de Kagami. Dans Tenchu. Saké. Écoute, on va tout boire. Je peux invoquer un phénix, il faut que je me souvienne de ça, c'est stylé d'ailleurs en plus.
suis perdu. Je suis perdu. Oh le Yuki! Oh! Ça n'a pas marché. Les flammes du phénix t'emportent! Oh là là! Faut quand même pas se foutre de ma gueule. Faudrait voir à pas me manquer de respect non plus, tu vois. Alors si je frôle les bords, au bout d'un moment je vais forcément trouver le passage vers cette salope. Ça dit qu'il y a un gros strum là. Oh le kappa! Pas mal. Ah, c'est par là. Oh! Je régène, donc on patiente. Bon, alors ça va être le kappa qui pourrait penser. Ça va être fun de se battre contre la Ino Enma avec, avec le King Fu. Hein. Bien joué. Moulé. Il ne connaît pas d'élèves. Il ne connaît que des maîtres. Oh là 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 là. Le King Fu. Avouez, c'est kiff.
c'est quand même grand confort. Il fonce droit sur nous. On s'en fout. On s'en fout. Tellement stylé. Mais le King Fu ne connaît pas d'élèves, il ne connaît seulement que des maîtres. Je sais pas quand est-ce que j'avais pensé à cette vanne. Le King Fu, c'était pas de moi, ça c'est sûr. Le King Fu, c'est quelqu'un qui a dit ça sur le chat, j'étais mort de rire. Le Kung Fu des rois, c'est le King Fu. Et j'ai fait un putain de combo de fou, je sais plus dans quel jeu, et j'étais là, le King Fu ne connaît pas d'élèves, il ne connaît que des maîtres. Et je me suis fait rire comme un connard. Comme un connard, tout seul. Du coup, je l'ai gardé. Alors là, il manque deux Uyama, ce qui est quand même honteux. Deux Uyama, c'est quand même honteux. Le jeu de boxe. Si tu crois que ça venait de Punch Club? Putain, Tachibana, elle est waifu quand elle est pas en tenue de guerre. Hein. Ouah, il les baisse toutes. Daisai Fu. Niveau 1. Très bien. Alors, trouvons les Magatama. Enfin, trouvons pardon les Uyama. Putain, c'est tellement nerveux les Tonfa, quoi.
J'ai lu le fusil négro, mais moi aussi. Je te rassure, t'es pas le seul. Bye. Oh, attends, il y a un passage là? Bon, on saura pas. Ah d'accord, c'était le début du jeu ça peut-être, non? Peut-être pas. Je ne sais pas. Dans tous les cas, il nous manque deux Oyama. Ne sous-estimez pas le... Ils sont sous-estimés. Ne sous-estimez pas le King Fu. Que des maîtres. C'est bon. C'est tellement nerveux, putain. Oh, où sont les Oyama? Trivialized. Ah. Attends, je voudrais pas mourir. Je voudrais pas mourir en tombant dans de l'eau genre trop profonde. Non, c'est bon. C'est le début. Je suis revenu au début. Bien sûr, c'était gratuit. Mais je ne sais pas pourquoi. Je pensais que ça finirait autrement que comme ça. Ah, c'est bon, il y a plein de passages, ils sont cool avec ça. Oh! Là, c'est l'un de l'eau dangereux ici. Où sont les Oyama? Ils sont cachés par ici. Mais on ne le saura pas.
faut s'y connaître en je me chie dessus, je suis d'accord. Une des bases du King Fu, c'est le je me chie dessus quand même. Oh le cac! Oh! Merci UV Games. On fouille encore histoire de voir s'il n'y a pas un Uyama qui traîne. Continue. Il est mort. Hop là. On ouvre. On prend la clé de la porte est. Je ne saurais pas te dire où se trouve l'est. Oh là là. Bim. Nani. Nani nani salut. Je suis. What the boy. Cool idée. Oh l'idée. Oh shit. Oh ah. Monte sur l'arbre pour aller tout en haut du château, il y a un Kodama en haut. Oh shit. Ce château du mal là. Attends, de quelle arme tu parles? La Star. Merci Pipil. Guaro King Fu qui n'a que des lettres. Oui, oui, oui. Oh. Mais je l'ai déjà pris ce Kodama. Ah putain, mais j'ai déjà pris le Kodama alors. On va en claquer une quand même. Voilà. Juste pour rester poli. Ouch, ma garde qui break. Raté, on recommence. Blé. Tu vite. Ouais, ça lui a rien fait. Ok, bon, d'accord. Jamais.
Oh. Ninja! Hoi! Hoi! Suzak! Oh! Le Super Saiyan 2, quoi! Oh là 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 là! Où y'a un Oyama? Où qu'il est? Est-ce que je pourrais aller moins vite pour laisser le temps de repérer? Ok, un rat. Mais je suis persuadé que les Oyama que j'ai ratés sont dans le labyrinthe. Kiru! ようでございますね。言葉を持たぬ者は行いや仕草で相手を知ろうとします。 Il n'en manque plus qu'un. Et il doit être dans le labyrinthe, c'est sûr. Ouah, la familiarité qui n'augmente absolument pas. Ah, c'est problématique. Je rappelle, on cherche les Oyama. Gagner de la vie. Ouais.
Nani. Ouh là 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 là. Antipoison. Disparais dedans ta chiasse. Oh. Démon. Oui. Voilà. Retourne en arrière, il y avait les pots. Quelle peau. De toute façon, j'ai un détecteur à Kodama. S'il n'y a pas de point vert sur mon radar, ça veut dire que j'en ai pas raté. Il ne m'en manque qu'un. Oui. Toi, Kotoda. Je te vois, tu es peint d'une couleur différente. Il y a un point vert, mais c'est le point de sauvegarde. Oh là 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 là. Oui. Nani. Ouh là là, il a touché. Oui. C'est bon. Ok. Mais plein avec... Ouh là là, regarde. Que se passe-t-il? Ça, Nani. Blocage, deuxième blocage. Ah, encore trop tard, pas trop tôt. Voilà, parfait. C'est bon ça. Les méchants à droite, mais on va aller à gauche d'abord. Oui. Ouh là 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 là. Ce blocage et cette esquive incroyable. Kappa.
trivialized. Nani! Voilà. Oh, Lucas, je le vois. Je l'ai vu sur l'écran pendant une seconde. J'ai pas rêvé. Il est là. Il est derrière ce mur. Oui. Le Puyama. Respecte-moi. Oh là là. Alors l'objectif, c'est de déclencher le plus de gars en même temps. Voilà. À toi! À toi! Tout le monde debout! Réveillez-vous les morts! Bonjour! Non, pas lui. Lui, c'est un problème. Oh!
parfait. Muneshige, le minable Tachibana. You took from me. Now. Sorry. This spirit's part of my collection now. Shibé. C'était facile. Oh, Voldemort. Non merci. Du coup, elle est sale. Tu l'as tenue. Il se prend pour le chanteur de l'opéra avec son masque ou quoi? Arrête Balzac, il est trop bien ce masque. Le masque de Loni. En plus j'ai mis l'armure qui colle avec derrière, donc c'est classe. Pas de soucis, Eleven Clothes, merci beaucoup. Bon, voilà. Et tous les Uyama ont été récoltés. Oui, nous avons la totalité des Uyama. Très bien. Je vais éternuer. Hey.
Ok. Disais-je. Une montagne sacrée profane. Eh bien, changeons la gueule de notre arme. Et allons-y. Redessiner. Alors, à quoi on va ressembler? Brave général, non? Maître de l'épée. On va partir pour l'armure de Damio de l'Ouest. Parce qu'elle est classe, il n'y a pas de raison. Oh, guérison des afflictions après un contre réussi. C'est intéressant ça, on va le garder. On sait jamais quand est-ce que ça pourrait être... lorsque ça pourrait être utile. Voilà, il a fière allure là comme ça. Enfin, il lui manque le casque, mais. Une question de casque, mais on est bien là. Le casque. Alors. Un type de casque au design fantaisiste. Ah, c'est beau. Écoute, le bandeau. Quoique j'ai envie de mettre un casque bien. Oh, tant pis. Y a pas un casque qui rendrait ça stylé et qui correspond à la couleur cuivrée que je porte actuellement? Y a peut-être ça, mais non.
C'est stylé, mais non. C'est stylé, mais c'est pas ce que je recherche. William est plus classe sans casque. Ah, casque de chef samouraï. Le petit casque, la houppette, la barbiche, la grosse armurasse, les bottes. J'ai enfin pu mettre mes bottes de marin, William qui remet ses bottes. C'est bon ça, les vraies bottes européennes de bonne facture. Et pas les merdes de Jap qu'on tente de nous faire mettre au pied, tu vois. Ça respecte. Et là on est bien. Là on est bien. Alors du coup, Tori, on va faire rencontre aléatoire. Yay! C'est une valeur sûre, c'est vrai. Européenne, une valeur sûre. Bon, tant pis. Mais c'est quoi sa bataille? Bof. Il y aura sans doute personne. Alors, du coup. Moetubuki est une montagne mystique qui a longtemps prospéré comme lieu d'entraînement pour les apprentis ascétiques. La rumeur prétend que les pierres spirituelles pourraient aussi s'y trouver. Je suis sûr que ça a attiré l'attention de ce satanique Kelly. Comme si c'était pas suffisant, j'ai entendu dire que nombreux soldats de Mitsunari, peut-être Mitsunari en personne, s'y sont réfugiés à la suite de leur défaite à Sekigahara. Ouyama. Dès le début. Ah, faut arrêter de rigoler, ils sont au bon level là. Bien joué. Level 120. Mal.
un chat fait miaou. C'est un vrai nom. Découpé par Vorien. Comment il est mort ce sac? Oh là là! Duel de King Fu? Duel de King Fu. J'entends des monstres, j'entends des tas de choses, donc la caverne doit sans doute être accessible depuis le dessous. Donc allons-y. Le King Fu ne connaît pas d'élèves, que des maîtres. Voilà. Infiltration, 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 infiltration. Le King Fu! Excellent. Ouh là là. Bam. La calebasse et Iga style. Mais vous sortez d'où ces pépés? Je vois des pépés qui rient sur le chat. Ah, attends, lui il va être vénère, je sens. Il va être vénère. Oh, il est vénère. Bon, il était vénère mes couilles en fait. Là-haut, dans cette caverne, il faut que j'arrive à monter. Par où on monte? On fait le grand tour par là.
Et aussi un Uyama tout en bas. Bon, notre façon même se souvenir de ce passage. Et ça, est-ce que c'est notre point de départ ou pas du tout? Oh, la parade! Quel homme. Oh là là. Ça méritait maximum pour Omoikage. Très bien. Donc ça c'est pas mal. Restauration de PV en mêlée c'est cool quand même. Le fait de buter des gens, ça tue des, ça te donne de la vie. C'est quand même assez avantageux. Alors, ça c'est maîtrisé. Ça c'est maîtrisé. Dégâts de mêlée yokai, j'aimerais bien le transférer, donc on va le garder. Oh, une lance à l'eau, attends, remonte pour savoir qu'est-ce que je peux. Dégâts d'eau d'armes plus 10%, c'est de la merde vu qu'il fait pas de dégâts d'eau. Foudre, résurrection de qui, attaque de mêlée. Réduction de qui, non, on s'en fout. Vent, ah, une autre Kama du vent, c'est cool ça. C'est cool ça. Et ça, les tonfa, il faut encore les bosser encore un peu. Très bien. Je fais ça pour augmenter ma maîtrise des autres armes afin d'apprendre les arcanes secrètes du plus grand nombre de catégories d'armes que je puisse maîtriser, bien sûr. Et ce, dans le but et l'optique d'être, bien sûr, le plus grand maître du King Fu qui soit. C'est la suite de la map, ça? Ça y ressemble, hein? J'aime pas ça, hein. Moi, je veux continuer d'explorer cette espèce de petite alcôve là et essayer de choper tout ce qui s'y trouve. Oh, il faut tomber par-dessus. Comment on fait pour passer par-dessus? Il y a d'avoir un passage, des cavernes. Oh, ça a l'air baisé. Oh, la chute. Il faut monter par-dessus. Ça me permet de descendre, ça. Oui, descendre et d'aller là, mais j'en viens. Il y a un démon de l'autre côté, mais il faut que je m'en charge. Par où puis-je passer pour atteindre ce démon? Peut-être par cette caverne? Non, ça nous mène à l'escalier, c'est ça? Ouais, ça nous mène à l'escalier, mais ça, ça mène par où? Y a-t-il un sens à ce passage? Je suis apparemment d'être dans un... Je suis apparemment dans un labyrinthe de l'infini. J'arrive dans une grande zone brumeuse dans laquelle il n'y a pas d'ennemis. Qui était le début? Ah, c'était là le début. Ok, très bien. Tout va bien. Bah, ce qu'on va faire en fait, c'est aller là où justement il fallait pas que j'aille parce que j'ai pas de... Parce que j'avais le mauvais pressentiment. Donc on va y aller. Peut-être ça nous permettra d'accéder à la suite. On va monter en zigzag là. Non, on peut pas. D'accord. Enfin, il y a une caverne. C'est là que j'ai trouvé l'Oyama? Non, il y a un connard, c'est tout. On va faire juste ce petit mouvement. Pac, 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 pac. Descendre là. Faire le petit passage. Récupérer ça. Voilà. Pas mal. Là, c'est le mec qui était level 81. C'est exactement ça. On peut remonter là. On arrive au temple. Le nouveau temple. Auquel on ne communique pas. Ça, ça mène à rien du tout. Ça, ça va là. Boum. Et puis ça, ça mène à un Oyama. Mais est-ce que c'est risqué d'y aller tout de suite? Est-ce qu'on veut y aller tout de suite? Eh ben, on n'a pas le choix. Allez. Il y a un Oni. Alors attends, voyons voir. Seiyorashi, tac, je le lock. Foudre. Avec un gros multiplicateur. Tac, je le lock. Quoique attends, il faut pas que je lock. Si je les lock, sinon je vais les jeter. Bon, je le lock.
Ça, c'est de la merde. Vent, j'ai mieux. Ça, il est loqué parce qu'il est fini. Ça. Oh, j'ai pas envie. J'ai pas envie, la lance, là. Ah, mais elle est bien. Elle est bien. Bon, écoute. Restauration de Pever Melee, ça, c'était très bon. Katana, double katana, je maîtrise. Oui, ce marteau, c'est vrai. Eh ben, écoute, dès qu'on a terminé les tonfas. Bon. Oh! Merci Linkola, merci Mugaramak. Et merci Warwolf, putain. Et Pipil, gloire au King Fu qui n'a que des maîtres, c'est beau. Alors attends, une musique. Petite musique douce, allons-y. Oh, un Kuyama. Garde. Ouais. Bien tenté. Et bonne chute. C'est bon. Alors ça, c'est juste pour lui casser les couilles. Tac ! Ou ma barre. Ma barre. La double barre. Bon, c'est pas grave, je suis mort. Tout va bien. Merci Tiamat. Tellement d'argent, Craigaz. Oh la vache! Oh les mecs, est-ce que vous me croyez si je vous dis que mon chat a laissé un caca fumant qui est plus gros que ma main? Je reviens.
là 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 là. Putain, mais avec la taille des caca de mon chat, mais si je pouvais les mettre de côté et en faire des golems animés par magie, j'aurais de la main d'œuvre pour travailler dans un champ de coton, quoi. C'est hallucinant. Hallucinant. Du coup. Ou un champ de riz, vu qu'on est au Japon, ça fait du sens. Voilà. Petite grenade des familles. Et voilà. À moins de bien nettoyer après récolte, ah bah oui. Écoute, sans déconner, tu crois le caca ça sent mauvais, t'as jamais sniffé de l'engrais mon gars. Ok, c'est l'échelle du début. Oh, oh merde, ça faisait longtemps. Pelo, 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 pelo. L'ammoniaque aussi, oui, c'est vrai. Hey, hop là. Ouh, merci Jojo Winchester pour le pyro barbare, c'est bon ça. Échelle là dans la zone? Non. Bon bah très bien. Spa! Sbli! Là il y a toujours le. Il y a toujours le Uyama, il faut absolument réussir à l'atteindre. Allons-y. Oh merde, d'où tu sors toi? Oh putain, ça s'interrompt même pas! C'est bon. Level 150!
King Fu. Tui! Imbécile! En me ralentissant, tu as augmenté la fenêtre de ma parade! King Fu! Incroyable! Il va falloir stratéger. Bon. Mais écoute, on y retourne. Go! Attends, je dois avoir une échelle pas très loin, non? Non, c'est un peu plus loin, c'est ça? Ouais, c'est la deuxième. Ok, bah allons-y. Et j'ai toujours pas trouvé ce démon avec l'échelle, hein. Quoi? Oh putain! Ah, bien joué.
Ouh là 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 là. Phew. Oh. Eh bien. Trivialisé. Ok. Ok, c'est cool. Ok, très bien, donc ça c'est fait. Et maintenant qu'on a ce raccourci qui nous permettra de gagner un temps absolument incroyable et insensé, on va tenter d'assassiner ce mec. Joli. Yaru, je sais pas quoi, mais bouffe! Bouffe le shuriken! Il a bouffé. Très bien. Nani! Fou, tout va bien. Ok. Tengu, tome 2. Oh là là, oh c'est bon. Dieu merci, j'avais pensé à la récupérer. J'ai eu un éclair de génie, je dois l'avouer. Ouh là là, bolossé. Je dois être au-dessus. Oyama. Attaque. Vous étiez en train de vous battre là. Ah, attends, peut-être que les hommes ils sont consumés par la folie à cause de la guerre. C'est ça. C'est ça. Par contre, on est en train de mourir donc. Petite potion, petite barre de vie, petit confort. Level 120. C'est parti. Souple sur les appuis. Souple sur les appuis. Le King Fu. Oh là là, il a failli choix. Le
fucking fou! Ça pue la bite. Oh là là! Oui, trop fort! Il ne peut pas tous être là, tu es sûr? Zoé! Oh là là! On a tout, on a tout. Modification de l'attaque d'extérité, déstabilisation de PV par coup de grâce, réduction de kit d'attaque de mêlée, ils sont très bien ces tonfins, vraiment. Est-ce qu'on a mieux? Alors oui, on a mieux très loin. Dégâts d'eau, donc ça c'est de la merde. Le pourfendeur du mal, on l'a, ça on peut pas encore. Ça, dégâts de mêlée plus 15%, oh, très honnête. Et en plus, level 3 de familiarité, donc ça peut être très pas mal. Dégâts d'agilité, non. Vent, non, ça c'est. Voilà. Tonfa sismique, non. Katana. Vent. Terre. Une lance. Est-ce qu'on se sent confiant sur la lance? Allez, on se sent confiant sur la lance. On est fort sur les appuis. On est souple. On reste souple. Oh cool! Et on a tout gagné les mecs hein. Nani! Tout va bien. Yes, familiarité maximum pour le Sayu Arashi. On peut changer donc. Ah, mais nique bien! Je vais te boloncer! Voilà. Donc. Disais-je, excusez-moi, bien sûr. On maîtrise la situation. Ah oui, la hache Kaido, allons-y. Alors si c'était mon avis, je dirais que c'est par là qu'il faut aller. Mais du coup, on va tenter de descendre en bas. D'abord.
un raccourci. Ouch. Nani ! Zut, zut, zut ! Chine ! En level 120, il s'est fait assassiner, empalé par William. Il m'a même donné sa hache. Qui est pourri. Bon. Yama. Et merde. Oh merde. Jouer. Ouh là là là. J'ai été présomptueux. Bam ! Ok. Bliat. Ok. Donc il y a un Kodama quelque part par là. Oui, je le vois. Allez, oui, ma. Yes. Et maintenant, on va utiliser un objet que j'attends depuis longtemps. On va utiliser le bol à Kodama. Je sais pas ce que ça fait. Et ça a fait quoi? Merci, monsieur Dreklos. Le psychopouvoir, merci beaucoup. Ça fait quelque chose? Non, ça n'a pas l'air, hein. Bon.
Oh là là, cette magnifique esquive de sa part. Il a l'air d'être beaucoup là-bas. Beaucoup gens. Bon. Ouh là là. Pourtant j'ai tenté de cancel mon action, mais... Sauvé par le phénix. Sauvé par Suzaku. C'était le passage, ok, très bien. Anoyama! Merci, maître Yakuru. J'avoue. Ben compliqué cette zone, hein. Faut respirer, faut pas paniquer surtout, tu vois. Oh, il a des tonfa level 107. On ne peut qu'espérer. Thank you.
Il me kingfouze. J'aurais pas eu ça, ça c'est ton fin, mais écoute. Pfiou. Non, je suis jamais allé de l'autre côté du pont. C'est vrai que j'ai buté le Tengu, mais après je... Je suis arrêté là. Le 94. Level 120. Non, il a des 12 arbres. Ça sert à rien. Mais je suis où là? Je vais où? Oh la Nodashi. Mais attends, mais je reconnais cet endroit, non? La porte. Tu vas me dire que la porte était fermée à clé en fait? Pourquoi il y a un temple en bas? Je suis perdu! Je suis perdu! Oh! Cactus qui a les icônes pour tout! Bon. Alors là, là par contre, scotch de bois bouc bouc multibook totalbooking.com zombie book. Ok, tout va bien. Double tête. Le bombe à fruit. Duel de hache, mon gars. Tu veux qu'on joue ou on va jouer?
incroyable. Mais il y a un temple là. Il est tellement plus proche. Mais je suis tellement débile. Bon, je peux gagner un niveau, ça c'est cool. Mais je suis un nul. Oh là là. Putain, bien joué. En tout cas, ça farme dur, hein. Je dois avouer que le fric rentre, les dégâts aussi, c'est sûr efficace. Ce ninja! Oh! Qui l'a dit? Alors lui, il m'a jamais vu de toute sa vie. Bah, lui, il est mort. Oh, le King Fu! C'est bon. Mais attends, mais je viens de passer par là. Mais oui, mais je suis trop con. Je suis perdu. Attends, par là. Non. Ça vient même. Là, il y a une grotte. Non, il n'y a rien. Par là. Par là, peut-être. Peut-être par là. Oh, il y a un Koyama. Il est au-dessus. D'accord, il doit être tout en haut. Ok. Pas de panique. Là, ça mène à la mort! Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Petit coup de stress. Confortable. Il a vu! Mais ce qu'il n'a pas vu, c'est la bombe à prout! Yes! J'ai eu tous les Kuyama. Maintenant, il s'agit de trouver la route. Level 130, on va devoir lui parler. On va lui devoir tenir une petite conversation. Allez, c'est parti. Level 130, on y croit.
Préparez le jutsu. Alors, on va désactiver les jutsus dont je ne me sers pas. Je ne me sers pas de celui d'extraction, il est inutile. Esprit protecteur, c'est quand même très bien. Talisman d'oasis, ouais, il va falloir. Un petit talisman d'oasis, c'est quand même assez confortable. Talisman paresseux, oui. Pour une, je me chie dessus, les kunai, c'est utile. Les bombes. Les bombes, les bombes, les bombes. Peut-être désactiver les grenades pour la course du tir, c'est vrai que je m'en sers assez souvent. Voilà. Level 112. Non. Oh, ça touche. Oula, ma barre. Ma barre. J'ai jamais eu le temps de prévenir qui que ce soit. Voilà. Alors du coup, je sais pas où ça se trouve. Parce que je suis allé dans ce temple, mais ça mène nulle part. Il y a un chemin derrière le temple. Chemin derrière le temple, qui sait? Est-ce qu'on le saura? Bouc. Ah oui, regardez, mon esprit se charge tout seul quand je suis dans le rouge. Oh, prenons pas trop de risques. C'est pété. En plus, il a l'air bien décidé à me lancer tous les shurikens du monde. Ce qui est très aimable de sa part. Allez. On a presque full régène, l'enculé. Merci. Très sympathique, ce méchant. Un truc qui s'appelle une porte. Comment ça, une porte? Il y a une porte? Comment ça, une porte? Il y a une porte dans le temple, là-bas, qui mène à un autre chemin? J'ai raté J'ai raté ma vie. Ah. Et merde. Oui, il faut que je m'entraîne, hein. Je suis pas MV sur Mario Odyssey. Là, j'avoue. Voilà. Et donc, il y a une porte. Oh, la porte! Oh là 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 là. Effectivement. Mais le truc, c'est qu'elle était, de la même couleur que le mur et je l'ai pas vue. Mes excuses, braves gens. De toute façon, j'allais le revisiter par acquis de conscience, mais oh là 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 là. C'est parti.
Shit! Oh là là! On se calme! On se calme! On court, on ralentit, on popote, on rebalance un cast. Bombe à brout! Ah! Oulala! Oh merde! Il s'est rasé la tête. Pardon. Ibuki yama no reisui. Kore de Mitsunari dono mo. Ouah, un chien! J'ai tout gagné! 3倍 no chao kyoshi. 13 no toki kara tsukaeta. Hideyoshi-sama. Watashi wa. Tenkabito e to kawari yuku taiko-sama ni. Tsuite iku dake de atta. Gyo omonji. Katana naki yo tami to tomo ni ayumu. Mais Toyotomi, c'est pas celui qui violait des femmes juste pour le plaisir du LOL? Il parle de vertu? Attendez, je suis plus là. Nase, korosanu. Hisashi no
Mitsunari Tono. あなたは明智光秀殿。何故？そなたの忠義、まことにあっぱれ。されど人の世には忠義より重きものがあり申す。それは大義じゃ。光成殿、忠義を重んずるあまり大義に背かれますな。あなたも大義のため信長様を討ち、主君殺しの汚名をかぶったというか。されば私も大義に裁かれよう。ケリーめが、私が死した信長様を新たまとしてよみがえらせ、再び大乱の渦を起こそうとしております。安仁殿、家康殿が大義、この国が太平のため、かの者を止めてくだされ。C'est qui Akechi Mitsuhide? Je sais qu'il était dans Dynasty Warriors Orochi, enfin dans Warriors Orochi 3, mais il se battait avec quoi, que je me souvienne un peu de sa gueule? Il n'y avait pas une moumoute sur la tête? Ou il n'y avait pas un éventail? Ah si, Mitsuhide Akechi, il se battait avec un éventail, il était ultra jeune, il était shoujo manguesque. Mais forcément, ça veut dire qu'il avait 174 ans. Ah... J'ai entendu dire que vous aviez appris toutes sortes de techniques ninja du seigneur Hanzo. Si vous souhaitez en savoir plus, je serai heureux de vous instruire, Billiam. Juste une chose, vous devez me vaincre en combat d'abord. Ce sera pas aussi facile qu'au château d'Edo. Préparez-vous. Ce sera pas aussi facile qu'au château d'Edo. À part, j'ai pas mes items, j'ai pas ma magie, j'ai rien en fait, je suis à poil. Et tu vas me donner des items de merde parce que prétendument, oui, le ninjutsu, voilà un shuriken explosif, voilà un shuriken il fait du vent, voilà un shuriken il sent bon. Voilà une bombe à prout, voilà du poison, des makibishi, enfin tout le merdier. Voilà, ouais, bien sûr, avec du merdier merde, voilà, super, excellent, génial, qualitatif, allez. Ah, de toute façon, on a besoin de rien d'autre. Alors, j'ai du bouillon. Ah, super, j'ai des œufs, j'ai des boîtes, j'ai des potions, j'ai des pilules, eh ben bien. Bon, bah, ça commence. Je peux marcher dessus au moins. S'il te plaît, respecte-moi. Voilà, déjà ça, je les sème. Viens, bouffe. Bouffe, bouffe, bouffe. Voilà, il est empoisonné déjà, ça fait du bien. Oh! Pac, pac. Les petits coups de bâtonnet comme ça, moi. Oh, le King Fu. Ah, putain, il fait deux passages. Oh là 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 là, je l'ai esquivé bien pourtant.
Madame Ada, salope. Très bien, très bien. Ça se prend pour une waifu. Eh ben, on va le faire ça sérieusement. Tac, 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 tac. Oh bah d'accord, ça commence. Raté. Oh là 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 là. Elle me bolosse. Elle me bolosse. Bon. Oh la chope! Allez, tac, tac, tac. Voilà, t'as tout pris. La petite potion. Les mecs qui bichent du mal. Raté. Allez, là t'es dans le coin. Non. Des petits coups de bâton comme ça, les vieux coups de tatane. S'il te plaît. Ah là là là, ces shurikens qui font 8000 points de dégâts. Les coups de cravache sur le cul. Il va falloir lui mettre des coups de cravache. Hein. Allez. Allez, j'aurais pu utiliser le truc ninja. C'est quoi ça, c'est tough. Wallaf, t'as pas le droit d'utiliser des bonus. Interdit. Le fun est interdit pour toi, choupette. Oh! Là, le King Fu, bien joué choupette. Ça par contre c'est beau. Non, tu fermes ta gueule. Je l'ai esquivé, ça, c'est dégueulasse. Oh là là. Oh là là, ce coup de pied. Allez. D'accord. Ok, donc ça fait des phases, ça n'interrompt pas. Donc les bombes, c'est quand même semi-utile. Hein. Bon. Bon. Comment préplacer ces pièges. Pas de raison. Qu'on ait pas un peu de fun. Oh. Balance un œuf. Voilà, qui vole un œuf?
fou, bien joué. Ah putain, à chaque fois je me fais avoir. Ah putain. Bam, bam, bam! Y'a pas de madamada qui tienne! Bah, bah, bah! Zbli! Bam! Boum! Bam! Bam, bim! Zbim! Bim! Oh là là, je suis break! Bah, bah, bah! Petit coup de bâton, zbli! Le lapin. La parade. Oh là là! Bah, bah, bah! Bah! Oh là là! Ce coup de cravache! Je t'ai téléchargé, ma grande! Téléchargé! J'ai la bande passante, moi, madame! Pardon, madame. Ok. Le patriarcat n'a été que de courte durée. Bon bah écoute, ça n'aura été que de courte durée. Fun is not allowed. Est-ce que j'ai le droit à 5 minutes ? Non mais tu retournes après moi, je m'en fous, mais tu viens aider à faire le lit. Putain d'accord, je viens aider à faire le lit alors. Je viens aider à faire le lit. La vitesse de mort du patriarcat quoi, c'est à croire que les femmes ont le droit de travailler. Attends, je reviens.
Donc, je disais, mèche de ninja célèbre, super, je lui ai coupé les cheveux. Vous êtes très fort, très bien comme promis, je vous enseigne ma technique. Je pense qu'avec ceci, vous saurez tout ce qu'il y a à savoir. Désormais, votre meilleur adversaire sera vous-même. Soyez assidu dans l'effort, la voie du ninja est un chemin solitaire après tout. Mais si vous souhaitez avoir un partenaire de combat, rendez-moi visite, je suis très mauvais perdant. Très mauvaise perdante, et je ne supporte pas de finir sur une défaite. Ha ha ha. Bah c'est très bien. Le connard, tu sais. Bah c'est parfait. Une plus grande harmonie. Fuku m'a dit que vous avez maîtrisé les techniques de magie Omnio. J'ai encore un tour dans mon sac et je vous enseignerai. Cependant, je dois vous demander de prouver votre valeur. Plus puissante est la magie, plus forte est son, doit être son utilisateur pour la contrôler. Passer cette épreuve sera la preuve que vous êtes apte à apprendre cette technique. Allons-y. Mais je reviens, j'arrive. Enfin, je bats ce vieux là, avec s'il me balance dans la gueule. Et puis on y va. Ok. Donc on s'équipe de l'habit en bois. De toute façon, on a besoin d'un d'autre. Jusque là c'était facile, continuons. Allez d'accord, ce sera plus dur. Pour l'instant ça s'est bien passé. Enchaîne, enchaîne. Ça par contre c'est pas la bonne nouvelle. J'ai pris de la foudre. Alors, parchemin de flotte, parchemin de ralentissement, parchemin d'esquive, parchemin de gloire. Parchemin de force. Orbe bleu, je ne sais pas ce que ça fait, ce sont des attaques d'eau. Ah putain. Il faut que je gagne du temps. Le temps que ma barre de vie remonte. Thank you.
tout va bien. Ouh là là. Tout va bien. Attention, le poison. Le poison. Et voilà. Ouh là 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 là. J'espère bien que ça suffit, tu vois, la taille des Pokémon que tu m'envoies, mon gars. La concentration d'Alenon, c'est absurde. Absurde, je vous dis. Phew. Maître Mime. Oh. Bob qui dresse des chiens de foudre à coups de bois. Ah non, mais... C'était timé. J'ai temporisé un moment pour regagner de la vie. Je m'incline devant votre puissance. En envoyant les démons dans sa dernière demeure et que la machine plus en plus dans votre armure, votre âme a appelé quelqu'un d'autre il y a longtemps. Mille excuses, je dis va. Très bien, je vous transmets cette technique de sorcellerie. Excellent. Partez. Mèche d'Omnio, échappée. Je récupère ses cheveux, c'est cool encore. Une nouvelle arcade de magie d'Omnio a été débloquée. Donc allons voir. Ça coûte 5. Voilà, très bien. Donc c'est les arcanes, elles sont là. Et là j'ai 10, je peux. Prolonge la durée des compétences et des objets. Ah, ça peut être intéressant. Permet de lancer instantanément un sort de magie Omnio que vous utilisez sur vous-même. Augmente ainsi la vitesse de lancement des sorts Omnio utilisés sur les autres. Le truc c'est que j'ai déjà un casque qui fait ça. Et c'est cool. Mais aussi avantageux que ça puisse paraître, le fait de prolonger la durée, je pense que c'est le mieux. Voilà. Voilà, c'est quand même le must. Je vais donc utiliser les mèches d'Omnio de Ninja Célèbre. Voilà. Samina Amrita. Je prends. Super. Et du coup, dans apprendre les compétences Omnio, je peux apprendre la technique suprême de Ninja. Le truc, c'est que les techniques de ninjutsu... J'utilise principalement des objets, moi. C'est vrai que je suis pas très ninjutsu, en fait. C'est vrai qu'il y a des shurikens de feu et tout, mais... J'aime bien les orokudama et les bombes, j'avoue. Dans ce cas-là, le mieux, ouais, ce serait de prendre... Comment les dégâts infligés par les armes à distance ou les objets jetés, hein. Pas à chier. Pas à chier. Le deuxième, c'est le best. Bah voilà, pour le coup, non, parce que je n'ai pas de technique ninja qui... C'est vraiment instantané, Bob. Y a pas d'animation. D'accord, d'accord. Et bah écoute, je switcherai en conséquence. Je switcherai en conséquence. Pour le coup, moi, j'ai un temps de cast Omnio qui est quand même très court, et j'ai l'habitude de jouer avec. Donc si, au contraire, les ralentissements ou les soins ou les choses comme ça pouvaient durer un peu plus longtemps, moi, ça m'arrange parce que c'est vraiment court. C'est vraiment une fenêtre d'opportunité qui est infime. Et moi, je préfère. Du coup, voilà. Non, on est bien, on est bien, on est bien. On est bien, on est bien, on est bien. Impeccable. Eh bien, écoutez, je sauvegarde et sur ce, chers amis, je m'enfuis vu que ma femme est partie se coucher. Je vais la rejoindre. Je vous fais des bisous et je coupe tout. Essayez de mettre un set complet d'armure exotique, Bob. Les bonus sont pétés, sont doublés pour chaque pièce. Les bonus pétés sont doublés pour chaque pièce, ouais. Ok, mais pas de soucis Witcher, mais je ne sais pas de quel set tu parles, donc on verra bien. Dans tous les cas, je vous fais des bisous et je m'enfuis lâchement. Je vous dis à la prochaine. Merci d'Atomic pour t'être inscrit et Maître Yakuru pour les 10$. Ça fait toujours plaisir, mais du coup,